j'espère que vous allez bien. Une vidéo de nos partenaires qu'on aime et qu'on adore plus que tout, ce sera Megalobox et Camiard. Exactement. Donc ici, c'est un fabricant que vous connaissez très bien. On présente des samples chez eux. On les connaît très bien, on fait des calades dès qu'on peut tous les mois. Et on a enfin un produit fini. Oui. Je leur avais dit, il était temps. Parce que j'en pouvais plus. N'oubliez pas qu'on a présenté actuellement chez eux que des prototypes ou des samples. Et ici, c'est la première fois qu'on reçoit un produit fini chez eux. Et c'est complètement... insane. Ah, t'es content? Moi, j'en suis vraiment content. Malheureusement, leur première licence ne me concerne pas. Je ne connais pas Megalobox, je n'aime pas les animés de base. Donc, du coup, ça veut dire qu'ici. Si vous aimez tout ce qui est box, franchement, foncez, regardez l'animé parce qu'il n'y a que l'animé de Megalobox. La saison 2 arrive très très bientôt. Donc, voilà. Alors, comparé au sample qu'on a pu voir en magasin et qu'on a eu un peu à fort la sortie, du coup, on n'a pas présenté, le travail est déjà très proche de ce qu'on a eu en photo. On y est. Il n'y a pas de. Ah ouais, mais c'était bleu. Ah non, c'était jaune. Oh, c'était plus grand, plus petit. On sait juste que leur 6ème sera plus balèze. C'est leur défaut et qualité, parce que sinon leurs statues sont trop petites, ça va être pour des vampires. Je sais que ces mangas là, le mec est petit en fait. En fait, c'est le seul point négatif que j'ai reproché. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait beaucoup trop grand par rapport au personnage qui est tout petit. Voilà. J'ai l'impression qu'ils l'ont allongé. Ils l'ont un peu allongé. Mais alors, on va commencer sur le personnage en lui-même. Vous avez donc du coup ce. Il s'appelle comment, tiens? Joe. Ok. Et bien il y a Joe. C'est Joe? Joe. Ou... C'est Joe du coup, pas Joe. Joe, comme toi quand tu m'appelles, Joe. Non, je te dis Joe. Mais non, c'est Joe. Dis Joe dans le truc. On dit Joe. Ok, donc c'est un D, J-O. Ouais, mais okay. c'est ouais, c'est voyelle invisible, quoi, ouais. C'est ça. Okay. Donc Joe, ici présent, très bien fini. Déjà, on a une patine très forcément manga au niveau des cheveux et de la tête. Bonne finition, veut dire qu'il y a un bon travail de ça texture. Ça ressemble à Joe, en fait. Ça ressemble au personnage qu'on voit dans l'anime, c'est ça qui est vraiment bien. Seul truc qu'ils ont fait vraiment... Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mixé beaucoup de choses au niveau des détails, parce que justement l'artiraille qui se retrouve avec dessus, au bout de deux premiers épisodes, on ne retrouve plus ce truc-là. Ah donc, ouais. On est vraiment là au tout début de son skin, on va dire ça comme ça. Ok, bah justement, à propos de son attirail, vous avez donc cet appareil qui est dans son dos, qui est relié à ses bras par des petits pistons, en fait, etc. C'est ce qui permet de lui donner justement plus de puissance dans son punchy. Tous les combattants ont ceci, et puis à un moment donné, ils décident de se battre sans. Très balèze, le mec il est hyper chaud. Justement, vous pouvez directement voir au niveau de le métal et le tissu qui est tout en résine, la différence de peinture et texture qui permet vraiment d'avoir cette différence notable de matière, rien qu'avec de la peinture ou de la résine PU, etc. Ça c'est cool, franchement, ça qui est bien fait avec eux. Par contre, justement, après on passe sur la peau, beaucoup plus terne, on retrouve vraiment ce comme Petit Prince ou les autres. Chez eux, ils ont une patte beaucoup plus lisse au niveau de la peau, tu trouves pas? On voit, j'ai l'impression en tout cas, c'est travaillé tout dans la même usine, et du coup, on voit que cette usine-là a cette patine. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. On voit que c'est une usine qui a fait tout de A à Z, il n'y a pas eu de changement, etc. En tout cas, au niveau de la patine. Ensuite, le pantalon, lui pareil, assez bien géré parce que vous avez vraiment le côté sali, on voit qu'il est usé, la peinture, la ceinture, etc. Mais vraiment, on voit qu'il y a eu par contre là une salissure. Il n'est pas abîmé lui, enfin, il n'est pas sale, il est pas. Ouais, il dirige le pantalon qui est un peu plus sali pour le rendre plus accurate, je présume. Il a à chaque fois le même vêtement aussi, c'est impurant. Et vous voyez sur les chaussures qui sont à la base forcément de la pointe du personnage pour venir. Ici, vous remarquez qu'il balance un tout petit peu, malheureusement. Malheureusement, c'est un petit défaut à cause de justement le problème de peinture. Donc, quand ça a été peint, il nous a expliqué que les mains un peu étaient recouvertes. Du coup, il faut un peu gratter, mais malgré ça, il y a quand même ce côté-là. Maintenant, ça ne gêne pas du tout. Au pire des cas, vous mettez juste un petit cale ou quoi. Vite fait en dessous, on verra plus rien. C'est un peu chiant de se dire qu'on doit faire ça. Ouais, mais voilà. C'est pas hyper grave, mais après, ça reste la première. Donc, il faut être du jour aussi. C'est pas forcément. Voilà, et on peut pas tout sortir du premier coup. Surtout cette période, c'est assez compliqué. Après, il y a son. Loup chien, chialou. C'est ce qu'il leur représente. Il est pas sur le terrain. C'est un chien. Comment on appelle ça encore? Qui traîne dans les rues, tout ça, c'est un chien... Un vagabond. Ouais, on va dire ça comme ça. Un chien des rues, quoi. Un chien des rues. Ok. Moi, j'avoue que je suis moins fan. J'aime pas ce côté résine, en fait, tu vois. Je sais pas. Eh ben, franchement, j'adore. Parce que c'est ce qu'on voit dans l'anime, en fait. Okay. Je peux pas dire, ouais, c'est de la merde, parce que c'est ce qu'on voit dans l'anime. Ouais, je pense, moi, comme je connais pas l'anime, j'ai cette idée de me dire qu'il est pas assez réaliste. C'est cool, parce que beaucoup de gens, voilà, on a des amis qui ont fait, oh, c'est cool, ils ont fait un chien à côté. C'est ce qui leur représente son âme, en fait. Un chien des rues, justement, un peu abandonné et tout. Donc, c'est ça qui est vraiment bien. Et puis. Au niveau du socle, justement, on retrouve beaucoup de détails. On retrouve du sang pour ce côté vraiment les combats de rue et tout et ça. Il est bien fait parce que, après, justement, c'est un sang réaliste. Très prononcé réaliste, mais avec une touche d'animation. C'est pas comme le sang Prime One qui coulait, qui était vraiment du vrai sang. Là, t'as ce côté sang comme dans les animés quand ça coule au sol. Ça, c'est super bien fait. On retrouve justement le chapeau de son entraîneur et justement la petite. Game Boy.
c'est pas un Game Boy, mais c'est ce qui permet de justement analyser des choses de justement de son petit garçon pote. Ok, d'accord. Non, ça fait un moment que je l'ai plus vu. Pour le ring, j'aurais du coup de François de faire un coin du ring pour mettre c'est ça. C'est bien pensé. C'est très bien pensé, facile à caser. Très. Alors, notez ici forcément que tout est encore une fois résine, il n'y a pas d'élément tissu, mais encore une fois, la texture et la peinture font qu'on dirait réellement des mousses en fait. Ça qui est impressionnant. Moi, j'aurais peut-être pour la vraie mousse. Pour justement donner encore un punch en plus à la statue. Maintenant, ça aurait été chiant, mais le travail là, il y est. Donc, okay. Pas de souci. Pareil pour les poteaux. Justement, encore une fois, grâce à un peu de texture et une très bonne peinture derrière, on a vraiment, je croirais vraiment pour un poteau en métal en main. Alors que là, je trouve que c'est de la résine, mais il est très très bien fait. Et après le socle, vous avez, comment expliquer, il y a deux faces au socle. L'arrière, bah, c'est bêtement du bois qui montre vraiment que c'est un ring classique. Mais devant, on y trouve forcément, bah, je sais pas comment expliquer, il y a Megalobox écrit vraiment en gros, comme ils font souvent chez Camille Arts, mais il y a plein de clous, on dirait, ou je sais pas ce que c'est. Ben ouais, on dirait plein de ferraille. Là par contre, ça me parle. On dirait des barbelés, c'est-à-dire bah, peut-être qu'il y a de la rue, tu vois, peut-être que ça fait un peu clodo. Je sais pas, non. Mais non, vous blaguez pas. Tu vois, peut-être que ça fait côté un peu sali, tu vois. Possible ou. Ouais, je sais pas. Mais ça donne bien. Moi, je trouve qu'esthétiquement, tout y est. Ouais, voilà. Bien pensé. Donc, félicitations forcément à Edouard et à son équipe pour ce travail. Encore une fois, n'hésitez pas à ces positions qu'on dispose ici au magasin. Et je pense que par en solde chez Camille Arts, il n'y a plus que chez les revendeurs, forcément. Donc, une seule boîte. Il reste encore une pièce ou deux, je pense. Ouais, et limité à 400 exemplaires au monde. Le prix est tout à fait abordable. 450 de mémoire. Franchement, 400 exemplaires, 450 euros et ses statues, bah, ça va. Franchement. Ça me choque pas de mettre 400 euros pour ça. Ils auraient pu le mettre à 650 euros, c'est quand même parti, mais ça aurait été cher. Là, le prix y est et la qualité y est. Donc, et si vous intéresse, ils ont leur site officiel où vous pouvez voir tout leur catalogue à venir et actuel. Tout est dispo chez nous, forcément, comme à chaque fois. Et du loup arrive, quoi qu'il arrive. Vous t'agressez pas. Camille Arts a beaucoup, beaucoup de projets. On est au courant de beaucoup de choses et ça va être à l'U. Attends la suite. Sinon. Exactement. Encore une fois, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.